Donc, eh ben, nous voilà devant cette nouvelle salle de lecture. Donc, vous avez vu projeter il y a quelques instants le projet. Et là, vous avez le résultat. Donc, je pense qu'il est conforme à ce qu'on avait. Il est conforme à la commande. Et donc, vous voilà dans la nouvelle salle de lecture de la Société géologique de France. L'objectif, c'était d'avoir un lieu convivial, de permettre aux gens de se réunir, de venir bouquiner. Et aussi de pouvoir, quand c'est nécessaire, pouvoir louer aussi ou proposer à la location cette salle. Donc vous avez à la fois des ouvrages anciens qui sont présentés et un système donc de vitrines qui permettra donc de faire des expositions donc temporaires sur des sujets divers et variés et donc qui sera renouvelé. Alors on est ambitieux, on fera des expositions tous les 6 mois ou au moins donc une fois par an. Donc, eh ben, il faut que j'inaugure cette nouvelle bibliothèque. Et donc, je vois que le personnel a mis un joli ruban donc bleu, blanc, rouge. Je voudrais quand même remercier les membres du conseil d'administration qui m'ont soutenu pour cette salle de lecture. En particulier François, qui a quand même donné de son temps pour essayer d'arriver à ce résultat. Et surtout Solange, qui a suivi les travaux qui ont quand même été longs, dans des conditions parfois compliquées. Et donc, eh ben, je déclare ouverte cette nouvelle salle de lecture. Et donc, je vais vous couper ce ruban. Et voilà. Et donc, je vais me permettre.